Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Starpy Productions pour un test. Aujourd'hui, une petite découverte, Myriam. Sur Android et tablette, hein, ce jeu est gratuit. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description. Et puis, je découvre ce jeu en même temps que vous. Alors, c'est parti. Chapitre 1, Alone. Comment je fais? Ok. Alors, je peux sauter. Je peux aller en avant, en arrière. Il n'y a pas de petite flèche. Ok. Et je peux actionner. Ok. Bon, on va aller en arrière. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, je peux pousser la caisse. Ok, ça déclenche un truc. Ok, bah j'ai déjà découvert quelque chose. Hop, j'ai une clé, c'est cool. Je sais pas à quoi ça sert. Alors, est-ce que je peux monter? Ah oui, je peux monter. Ah, d'accord. C'est quoi cette lumière? Ah d'accord, la lumière me tue. Ok. Si la lumière. Hey! Attends, bah on va restart parce que là c'est pas. Non mais. Oh, ça bug déjà. Voilà. Si les commandes ne répondent pas bien, ça va pas. Donc on recommence. On va chercher la petite clé. Hein. Excusez-moi, puisque c'est un test de découverte, je n'ai pas encore bien la maniabilité, puis je découvre finalement ce qui tue et ce qui tue pas. Et puis d'évidence, hein, le game design laissait supposer que la lumière, c'était pas cool. Ok, stage 1 sur 2. Bon, on avait vu que la lumière, ça nous tue. Ah, il y avait un moyen d'aller là-bas. Regarde, ah, d'accord. De pouvoir éteindre. Ouais, si quand j'appuie ça saute pas aussi, c'est pas cool ça par contre. Ok. Donc. Ah, ça fait monter la caisse. Ok. C'est quoi ça? Qu'est-ce que. Ah, j'ai enlevé les piles de. Ah, bah c'est bien. Fallait éteindre là-haut en plus. Hein. Hop, je pousse la caisse en bas. Voilà. Petite caisse roule. Et allez, hop. Ouf. Ça va être prévu pour celui-là. Attends. Il y avait quoi en bas? Voilà. Je vais aller en bas d'abord parce que j'éteins la lumière. Ah ouais, maintenant si c'est la fin, il doit y avoir une clé quelque part. Ah bah je suis bien. Ah les amis, là vous me voyez jouer, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien je me le demande, mais qu'est-ce que je fais? Un peu d'exploration. Ah, on va se faire écraser par le champignon. Donc, ça va déjà tuer pas au contact. Ah mais j'arrive à monter. Ah, j'allais dire il redescend pas. Quand même. Il doit y avoir un truc là-haut, c'est pas normal, ça monte. Voilà. Tout simplement. Ouf. Je suis tombé. Voilà. C'était très simple. Ah, niveau 3. Alors voyons voir. On dirait un petit peu une ville. Hein, n'est-ce pas? L'ascenseur. Voilà, la petite musique d'ascenseur qui va toujours bien. Alors, où est-ce qu'on va, là? Oula, je vais y tomber. Alors, par contre, c'est un peu délicat. Je n'ai pas les touches droite et gauche. Alors, parfois, j'ai du mal à savoir si mon personnage va vraiment aller dans la direction que je veux. Alors, on saute. Ok. 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 Voilà, il faut faire attention à la lumière.
Hein, la lumière tue. Reste du côté obscur de la force. Alors, stage 1 sur 4. Alors, il y a combien de stages par... Tiens, c'est quoi ça? Non. Alors, voyons voir. Hein, je sais pas si vous avez noté, il n'y a pas excessivement de musique dans ce jeu. Une ambiance ouf, un peu noire, un peu morbide. C'est le chaos, quoi. J'espère que j'ai pas loupé la clé. Voilà, hop, nous sommes arrivés. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, je voulais sortir de l'ascenseur et mon personnage est parti de l'autre côté. Ouh là là! Ah, ça va devenir un peu technique là. Voilà, on va y aller tranquille. On n'est pas pressé. Alors, j'ai lu tout à l'heure un petit peu la description du jeu. Donc, en fait, nous sommes dans les cauchemars de notre petite Myriam. Myriam qui a l'air d'avoir l'esprit tout à fait sain, tout à fait clair et joyeux. Hein, écoutez cette petite musique d'ambiance d'ascenseur. Hein, ça nous met directement dans la joie de vivre. Alors, hop là, la petite clé. Voilà. Comme je disais, la joie de vivre. Écoutez cette mélodie. J'appelle ça la mélodie de la mort, moi. C'est un peu un genre de silence mortuaire, en fait. Voilà. On dirait un peu une usine derrière, là, on sent les pylônes électriques. Hein. Elle a pas l'air d'apprécier trop la technologie. Alors, stage 1 sur 5. Allez, jeune fille. N'aie pas peur. Nous ne sommes que dans tes cauchemars. Oh, pourquoi le sauter là? Allez hop, hop, hop. D'accord, ça descend ça, si je reste dessus. Ça sent le piège. Hein? Petite balade au cœur de mes cauchemars. Voilà, petites araignées, petites. Hein? T'as rêvé de quoi hier? Oh bah tu sais, la routine habituelle, les scies qui me découpent, les araignées. D'accord. Ok. Ouais. Allez hop, elle repasse. Oh, elle était un peu plus grande celle-ci. Ok, c'était... c'était le piège. Arton. Ouf. Oula, c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est. J'ai éteint quelque chose, une lumière là-bas. Ok. Donc là, j'ai vu la petite clé au passage. Allez, on y va. Allez, ma petite. Allez, Myriam. C'est bien, Myriam. T'as la clé, vas-y, t'as pris la clé, vas-y, sors! Sors, c'est trop tard, c'est trop tard! Ah! Je voyais rien là. Pourquoi je voyais rien? Ah! Et voilà, restart. Et oui, nous aimions bien Myriam. Myriam nous manquera. Myriam est morte dans ses cauchemars. Myriam, si tu nous entends, on pense fort à toi, Myriam. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, Starpie. Allez. Allez. Allez, Myriam. Allez, championne du monde. Allez, c'est parti. Tu peux arrêter de répéter ça, Starpy, parce que c'est vraiment chiant en fait, à force. Et c'est parti. Alors là, il y a la petite. Hop, on y va. Hein, pour l'instant, c'est un peu une promenade de santé. Quand on se fait pas avoir par des pièges de programmeurs assez malsains. Allez, on y va. Hop là. Alors. Donc, j'éteins ça. C'est important. Voilà.
Donc ça éteint la loupiote elle s'éteint. Et hop, j'ai raté mon saut. Ben c'est bien. Allez. Le truc c'est ça, c'est qu'on voit pas les plateformes. Ah bah c'est parce que la plateforme, bah en fait il n'y en avait pas. J'ai sauté. Ah mais il n'y a plus la clé. Ah, ça veut dire que la clé elle était restée quand même. Donc là faut que j'attende le deuxième passage. Tu vois, tout à l'heure j'ai fait le saut de la mort. Et en fait, eh bah non, en fait, il fallait juste. Voilà. Là. Eh mais j'ai éteint. Ça s'est rallumé? Pourquoi ça s'est rallumé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un bug là, c'est pas possible. Il me reste qu'une vie là. Je suis dans la merde là. Ah ouais, c'est pour ça, c'est parce que. Comment... Il doit y avoir un laps de temps, je sais pas. Il me semblait que j'avais éteint. Oui, j'avais éteint. Il n'y a plus la clé. C'est pas possible. Ok, on y va. Ok, on y va. Ok, on y va. Ok, on y va. Ça se trouve, il y avait un temps, je sais pas. Je sais pas. Hein, je regarderai le replay parce que moi, dans ma tête, j'avais bien éteint. Alors, on se balade à nouveau dans les cauchemars. Alone 1 sur 6. Allez, c'est parti dans la lumière, on a cramé. Ouais, vas-y, t'es un champion, toi, Starpie. T'as tout compris à la vie. Allez, on y va. Non, non, non! Faut que j'y aille quand elle revient. Donc là, j'y vais. Voilà, là, t'attends. Là, gentiment, t'attends. Voilà. Et là, elle y va. Ah, tu vas aussi. Et 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 tu tombes. Voilà. Là, il va bien y avoir un truc qui va me piéger. Ok, j'ai vu la lumière au bout du tunnel. Ah, c'était bien le paradis. Oula, ça va pas très vite ça. Eh, regarde quand je saute, ça l'éteint. Allez. 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 Voilà, on n'est pas pressé. On peut y aller avant la lumière, on peut y aller avant la lumière, on peut y aller avant la lumière, on y va, 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 on court. On va se faire niquer. Voilà, bah là. Là, je l'ai vu arriver, mais genre. Je l'ai vu arriver, je l'ai pressenti, quoi, tu vois. C'était un genre d'instinct, tu sais. Je me suis dit, oula, il y a un piège. Allez, on y va. Ah, trop tôt. Non, c'est. C'est une bonne hitbox, hein, quand même. Là, c'est au pixel près, c'est. J'ai touché le pied, c'était parfait, hein, c'était le pied. Hein. Tu vois, il n'y avait pas un demi-pixel qui sort, hein. Allez, on y va, 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 encore, encore, on y croit. Ouais, championne olympique, Myriam, hein, qui parcourt le 100 mètres haies et puis le 100 mètres lumière cet après-midi dans ses cauchemars. Oui, vous avez remarqué, je meuble un peu parce que bon, bah là, du coup, tu vois, on se fait un peu chier. Voilà. Non, elle est partie dans l'autre sens! Pourquoi t'es partie dans l'autre sens, putain de putain? Voilà, c'est. Le truc, c'est qu'en fonction d'où j'appuie, c'est délicat, quoi. C'est ça le problème avec les jeux tactiles, des fois, ils ont. Hein? J'ai connu ça récemment dans Call of Duty. Des fois, t'appuies sur le bouton et puis il se passe rien parce que le tactile, il a pas pris l'ordre. Hein? Ça n'arrive pas avec une manette, c'est l'évidence. Alors, donc lui, il remonte. On y va. Quand il descend, voilà, on y va. Non, non, trop tôt. Ah, je l'ai vu venir en plus. Hein. Allez, on y va. Voilà. Là, t'attends, t'attends, t'attends. Il remonte. On y va. Non, non, trop tôt. Je vous ferai exempt de tout le passage. Je mettrai en accéléré. La 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 la. C'était la petite Myriam et ses cauchemars. Elle ne voyait pas grand-chose, non, c'était le brouillard. À peine tu touchais la lumière, elle t'envoyait en enfer. C'était la chanson de Myriam, pour passer le temps, pour passer le temps. Voilà. On y va. Hey Myriam, s'il te plaît, là, hein. Jack, t'as un prénom pourri, mais en plus, je m'excuse auprès de toutes les Myriam par rapport à cette vanne, hein, mais fallait que je la sorte. Bah, sinon, ça aurait pas été fun. Donc c'est là qu'on va voir si j'ai compris comment passer le passage. Et j'ai compris comment passer le passage. Ouf, 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 ouf. Et on y va. Aïe! Si je mets continue. Alors c'est horrible les amis.
Je viens de regarder une pub pour Candy Crush. Et oui, ça existe encore des pubs pour ce jeu fantastique, mirobolant, avec une histoire et un scénario prenant, des graphismes époustouflants et une maniabilité extraordinaire. J'en ai les yeux qui pleurent, qui saignent, pardon. Alors, qu'est-ce que je fais là? Là, je vois un petit truc là. Hop! Ouais, tu vois, c'était le saut du courage là quand même. Oula! Oula, vite, j'ai les pieds dans l'eau, je vais mourir. Je le sens mal cette affaire là. Si tu veux, Starpy, comme ça, quand c'est de la flotte comme ça, puis que toi tu peux pas nager, je le sens un peu mal là, tu vois, avec le petit pressoir là qui presse. Tu vois. Faut pas être pressé, hein. Toi, là, t'as le temps de voir venir l'obstacle, là, tu vois, c'est pas comme tout à l'heure. Ah, alors, est-ce que je suis arrivé au bout? Allez, paf. Allez, on y va. Allez. Allez, on y va. Ouais. Alors, stage 2, 1. Eh bien, vous savez quoi, mes amis? Eh bien, je vais vous laisser là pour cette découverte. On a fait donc tout le stage 1. Là, il reste donc le stage 2. Et puis peut-être le stage 3, le stage 4. On verra ça la prochaine fois. Donc, eh ben, je vous salue bien bas. Et puis à bientôt, hein, bande de geeks. Ciao, ciao. Ce programme est présenté par Starpy Productions.